Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. Rappelle brièvement le concept des speed tests. On débute ensemble un jeu vidéo qui est plutôt méconnu du grand public. L'objectif, c'est tout simplement de vous donner envie de poursuivre l'aventure par vous-même. Donc, je ne dévoilerai pas la fin du jeu ni des rebondissements dans le jeu. L'objectif, c'est de vous faire partager la passion que je peux éprouver pour ce jeu ou pas. Alors, pour vous parler correctement de Star Parodia, il faut faire un petit retour en arrière de 2 ans, et donc revenir à l'année 1990, puisque Star Parodius est sorti en 92. Donc en 1990 sort un titre mythique nommé Superstar Soldier, qui est la suite indirecte d'un autre titre mythique, Gunhead. Et donc Superstar Soldier est le shoot'em up qui a véritablement cartonné sur PC Engine, mais nous verrons plus tard que nous allons avoir la réponse à cette épineuse question, dit-on PC Engine ou PC Engine. En revenir à ce titre, Superstar Soldier, donc en 1990, c'est l'un des shoot'em up phares de la PC Engine. Donc il est disponible sur Ucard, il a été développé par Interstate Kaneko, des développeurs très spécialisés dans le shoot'em up, qui ont fait des titres comme Eevee Unit pour Taito. Superstar Soldier pour le compte d'Hudson Soft. Alors Interstate Kaneko a aussi réalisé un autre titre pour Hudson Soft, c'est Aero Blaster qu'on a déjà chroniqué sur Gunnet TV. Donc revenons à la NEC PC Engine qui était la première console à être dotée d'un CD-ROM. Donc ça a plutôt bien marché pour eux et ils ont sorti 2 ans plus tard de mémoire donc un nouveau CD-ROM nommé tout simplement Super CD-ROM, qui disposait d'un peu plus de mémoire, était un peu plus rapide que le précédent, et qui était décliné en version simple, Super CD-ROM, qui venait se greffer à l'arrière d'une PC Engine, et une nouvelle console, la PC Engine Duo, qui réunissait tout en un les U-Card et les CD-ROM. Et pour promouvoir leur nouveau support, ils avaient besoin de titres forts pour inciter les gamers à passer à cette nouvelle machine. Donc, ils souhaitaient aussi toucher le grand public et ils ont décliné leur concept sur un jeu qui s'appelle Star Parodia et qui s'adresse véritablement aux fans de PC Engine, puisque ce titre non seulement s'empare de l'univers de Bomberman, mais également de Superstar Soldier. C'est pour ça que je vous montre Superstar Soldier, qui est le titre phare du Hudson Soft. Puisque pour Gunhead, il faut savoir qu'il n'avait pas les droits, c'était les droits qui étaient détenus par Toho Sunrise. Donc concernant Superstar Soldier, ils vont prendre le Palo Sizzle, c'est-à-dire le vaisseau de Superstar Soldier, ils vont prendre Bomberman, qui est un petit peu la mascotte du Hudson Soft, bien plus connu que PC Kid à l'époque, et puis ils vont mettre la PC Engine en scène à travers Star Parodia. Alors, maintenant que j'ai expliqué un petit peu le contexte, je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette superbe intro signée Hudson Soft. Jiku Shinseki, 4622年、人類とマザーブレイン軍との戦いは、小型戦闘機ネオシーザーの活躍により、人類の勝利に終わった。 星々は光を取り戻し、宇宙には再び平和が訪れた。しかし、全ての人々が平和を感じていたその時、宇宙の片隅でマザーブレインの細胞が少しずつ確実にその力を取り戻そうとしていた。ここは惑星パロソン、地球と友好関係にあるこの星は、地球と同じような文明を持ち、 人類によく似た人たちが平和に暮らしている。そしてこの星はマザーブレインとの戦いの場所に一番近い惑星でもあった。もしもし、こちらパロ
い、神楽坂支店感動良好です、どうぞ。もしもし、こちらパラソン系みたい。あのね、うちの中枢コンピューターに何かが侵入して防衛機能が麻痺しちゃったみたいなのよ。それで調べてみたら、あの時オタクがやっつけたあいつが暴れてるみたいなの。だから早く助けに来て。ああ、というわけで、この事態を重く見た地球守り隊では、パロソンに向けて至急援軍を送ることとなった。デルタ1より各機へ、敵機多数、警戒エリア内へ進行中。スクランブル部隊、発進スタンバイ。On se retrouve donc pour le speed test de Star Parodia qui va répondre à une question cruciale. Prononce-t-on PC Engine ou PC Engine ? Bon, je crois que ça répond à la question. On prononce indubitablement PC Engine. Non, bien évidemment, je plaisante, c'est PC Engine. Voilà, donc le jeu débute, écoutez, très sereinement, hein, on récupère des U-cards, j'ai choisi la PC Engine, et donc on débute dans le monde merveilleux de Star Parodia, où mes adversaires se rendent quand ils sont battus. Et donc, vous l'avez compris, hein, Star Parodia, c'est un peu le Parodius d'Hudson Soft. Puisqu'il joue effectivement sur la parodie, hein, la parodie de son propre système qu'est la PC Engine, donc console qui pouvait se voir adjoindre les services d'un CD-ROM pour avoir beaucoup plus de données, forcément, offrir une qualité CD. D'ailleurs, je ferai quelques petites coupures pour que vous puissiez bénéficier du son. Donc j'ai choisi la PC Engine, mais vous pouvez choisir, vous l'avez vu, le Palo Sizzle, le vaisseau de Super Star Soldier. Alors je ferai l'incrustation après en vidéo, parce que là on est sur un let's play en live, bien évidemment. Donc c'est pour ça que parfois j'ai des petites coupures quand je parle. Mais je ferai à la fois donc l'insertion de premier stage avec Super Star Soldier, Palo Sizzle, et bien évidemment Bomberman pour vous montrer à quoi ça ressemble.
Mais je ne dévoilerai pas, on n'est pas sur un non-play, je ne dévoilerai pas l'intégralité du jeu. On va faire quelques stages ensemble, hein, mais voilà, on va pas faire tout le jeu parce que il mérite que vous le découvriez par vous-même. Car c'est un titre absolument fabuleux, je tiens à le dire. C'est d'autant plus parlant quand vous êtes forcément fan de la PC Engine, mais même ceux qui ne connaissent pas l'univers de la PC Engine, voilà, vont s'amuser avec ce titre, hein, puisque ça reste un shoot 'em up de nette facture. On peut le voir d'ailleurs à l'écran, hein, c'est fluide, on est sur Super CD-ROM, donc il y a un peu plus de mémoire de stockage. Et ce titre était destiné donc au grand public, hein, puisqu'il est relativement simple. Mais surtout hein, c'était je dirais, la réponse d'Hudson Soft à Nintendo qui avait sorti sa Super Famicom avec plein d'effets tirés du mode 7. Donc dans Star Parodia, bah, écoutez, vous l'avez peut-être vu dans l'introduction, mais des effets de zoom, des effets de mosaïque et des effets de distorsion de sprite, des scrolling différentiels, notamment sur la présentation du vaisseau de Super Star Soldier. Parce que je joue en même temps que je parle, c'est parfois compliqué. Hein. Je suis un homme, hein, j'ai pas deux cerveaux comme les femmes. Je peux pas faire deux choses en même temps. C'était un petit peu le shoot 'em up démonstration des capacités de la PC Engine, avec bien évidemment un petit dessin animé en intro, histoire de faire la nique à la Super Nintendo, mais aussi à la Mega Drive, hein, qui ne pouvait pas en faire autant. Même si elle avait un Mega CD, mais bon, c'était pas pareil que la PC Engine. Donc voilà, donc en gros c'était une démonstration de force de la PC Engine, une démonstration d'Hudson Soft et de NEC, hein, le constructeur, parce que Hudson Soft était le développeur, le concepteur de la PC Engine, ce qui est assez rare dans le monde des jeux vidéo. Mais voilà, ils avaient bien un constructeur et ils ont pris le leader japonais d'électronique qui était NEC. Et qui l'est peut-être encore, je ne sais pas, mais voilà. Donc Star Parodia, voilà, c'est un shoot 'em up complètement azimuté, hein, les personnages sont tous plus loufoques les uns que les autres, hein. Je suis attaqué par un vaisseau pirate, mais ma petite PC Engine s'en sort plutôt bien. Donc il y a 8 stages au total, que je vous invite vraiment à découvrir, parce que le stage de Bomberman par exemple est tout simplement excellent et complètement délirant, hein. Donc c'est vraiment un caméo très, très sympathique de leur part. Et donc ce jeu, se déroule plutôt bien, c'est fluide, c'est coloré, ça bouge dans tous les sens, il y a des tonnes de sprites à l'écran, et ma foi, la qualité CD permet de bénéficier d'une qualité de bande son inégalée. Et pour que vous puissiez en profiter, je vais me taire quelques instants. Alors comme vous avez pu le constater, on a des petits effets de zoom sur les sprites qui sont des petits clins d'œil au mode 7 de la Super Famicom, mais également avec les écrans intermédiaires, on a eu le droit à un bel effet de mosaïque. Donc voilà, donc la PC Engine montrait qu'elle en avait dans le ventre, et écoutez, c'est toujours sympathique de découvrir ce genre de choses, hein, parce qu'à l'époque c'est vrai que la Super Famicom en imposait, hein, avec son mode 7 et narguer un petit peu tout le monde. Donc voilà, donc la petite PC Engine voulait démontrer qu'elle en avait encore dans le coffre et qu'elle savait faire des effets comme pouvait en trouver sur Super Famicom. Alors bien évidemment c'est pas en hardware, hein, c'est que de la programmation, parce que comme je l'expliquais en introduction, le Super CD-ROM ne ramenait que de la mémoire, hein, ne ramenait rien d'autre. Mais cette mémoire était suffisante, hein, pour
pour faire des jeux un peu plus évolués avec un peu plus de couleurs affichées à l'écran simultané. Enfin voilà, c'était un peu plus sympathique pour les amateurs de PC Engine. Et l'aboutissement ultime, hein, ça a été l'arcade card, hein, qui permettait carrément de lire des jeux Neo Geo, bien évidemment reprogrammés pour la PC Engine, hein, parce que malgré tout, elle avait quand même des limitations techniques. Mais voilà, l'arcade card, c'était encore de la mémoire supplémentaire, ce qui permettait voilà, d'étaler beaucoup plus d'animation, d'effets spéciaux, de graphisme à l'écran, pour le plus grand bonheur des fans de cette console mythique. Voilà, j'en ai fini avec ce vilain clown et ça va me permettre de faire un petit clin d'œil aux autres titres de la PC Engine qui étaient dans le même délire. Je pense notamment à Anata Kadaka, plus connu chez nous sous le nom de Super Long Nose Goblins, qui est un titre tout aussi délirant. Il y a eu Toilet Kid, Magical Chase, qui est un fabuleux shoot'em up également. Alors là, ce ne sont que des shoot'em up, hein, que je vous cite. Koryun, hein, de Naxatsoft, qu'on a déjà chroniqué sur Gunnet TV. Alors là, il y a plein de titres comme ça sur NEC. Hein. Il y a PC Engine aussi, hein, qui est excellent, hein, puisqu'en fait, il reprend PC Kid en version cyborg. Donc il est connu au States sous le nom de Herzonk. Mais voilà, la PC Engine foisonnait de shoot'em up. Hein. Alors, il y avait bien sûr le Parodius de Konami, hein, qui était sur PC Engine. Mais voilà, ils ont fait pas mal de parodies, et notamment bah, écoutez, ce superbe Star Parodia. Voilà, excusez-moi, je joue en même temps, c'est pas évident, mais voilà, qu'on découvre ensemble. Donc le système, pour revenir au jeu, pour en parler, vous l'avez vu, hein, système de cartes. Alors moi j'utilise honteusement les missiles à tête chercheuse, parce que c'est l'arme idéale dans ce jeu, hein, parce qu'en fait voilà, ça fait tout le boulot. Là on voit avec cette origami qui se transforme là en vaisseau spatial, hein, ça ressemble un petit peu à du Space Invader, pendant qu'une jolie demoiselle plante le décor. Je ne parle pas japonais, donc je ne sais pas ce qui est écrit sur son petit panneau. Bon là c'est une fusée, hein, c'est peut-être un peu suggestif, hein, on pourrait penser à autre chose, mais non, on va dire que c'est une fusée. Donc toujours les bonus, hein, vous l'avez vu, hein, ils sont divers et variés. Il y a quelques petits pièges, hein, il y a des bonus qui vous enlèvent des améliorations, parce que là je suis vraiment à une amélioration maximale des missiles à tête chercheuse. Donc ça peut vous paraître simple, hein, c'est vrai que vous pouvez faire le jeu, vous pouvez le terminer très très rapidement, mais il y a pas mal, il y a un bonus secret, hein, je ne sais plus où il se trouve, la forme du scorpion, je ne sais plus où il se trouve, mais je ne veux pas dire de bêtises, hein. C'en est fini de ce maudit scorpion. Donc ouais, il y a des bonus stage, le niveau de difficulté est relativement simple. Et puis, cerise sur le gâteau, vous avez aussi le Caravan Stage, donc, qui vous permet d'améliorer votre score, puisque ce sont des stages de 2 ou 5 minutes. Hein, c'était Sunsoft qui avait inauguré les Caravan Stage un petit peu partout dans le Japon. Hein, les petits Japonais sont pressés par milliers pour s'affronter. À l'époque, il n'y avait pas de jeu en réseau, hein, donc il fallait faire ça à l'arrache. Hein. Dans des camions et donc c'était plutôt sympathique. Donc on retrouve ce Caravan Stage sur Star Parodia, bien évidemment, et voilà, c'est plutôt sympathique. Donc je pense vous avoir dit beaucoup de choses sur Star Parodia. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, je ferai en intro également avec Bomberman, parce qu'il y a un stage franchement assez fabuleux avec Bomberman qui mérite le détour. On va pas aller jusque là parce que le but du jeu, hein, le but des speed tests, c'est bien évidemment, vous voyez là, c'était un bonus qui m'enlevait une évolution de mon arme.
Donc le but c'est effectivement de ne pas vous dévoiler tout le jeu, hein, c'est de vous laisser le découvrir et également de vous faire découvrir cette très belle bande son. Donc je me tais quelques instants. Alors, bien à tomber, au moment où je vous dis que vous allez bénéficier d'une qualité CD, on passe avec un son tout autre, hein, puisque celui-ci est issu des entrailles de la petite PC Engine blanche, c'est-à-dire sans son CD-ROM, hein, puisque comme vous le constatez à l'oreille, hein, comme vous l'entendez, on n'est plus en qualité CD, mais on est en qualité son processeur, enfin je sais pas comment on l'appelle, chiptune ou autre. Mais voilà, c'est complètement forcément différent du CD-ROM. Qui lui bénéficiait d'orchestrations qui étaient parfois faites par des orchestres symphoniques, hein, comme dans Tengai Makyo, Far East of Eden, Manjimame. Mais là, je me tais de nouveau puisqu'on va passer sur une plage CD. Donc après la plage et ses crabes gardiens, on se retrouve donc sous l'eau avec des étoiles de mer et bien évidemment toute la faune inhérente à ce milieu subaquatique, donc toujours mystérieux. Et donc vous noterez, hein, l'effet de distorsion du décor, ben qui, voilà, ma foi, comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, servait à démontrer que la PC Engine en avait sous le capot. Donc y a, évidemment, ce titre là c'était un petit peu le titre fanfare, hein, celui qui démontrait toutes les capacités de la NEC au grand public. Mais il y a des titres, des shoot'em up beaucoup plus pointus qui sont sortis sur Super CD-ROM. Donc là, Poisson Plot, qui joue des maracas. Peut-être est-ce que cela a inspiré plus tard Samba de Amigo, célèbre jeu Dreamcast. Donc bon, il est un peu chiant parce qu'apparemment on peut, et je perds du bouclier, hein, je perds du bouclier, on ne peut le toucher que lorsqu'il est face à vous et qu'il est aussi épais qu'une feuille de papier. Donc pour en revenir à Star Parodia, ben, voilà, c'était un petit peu le titre fanfare, mais si vous souhaitez des shoot'em up un peu plus aboutis, un peu plus matures, je ne peux que vous conseiller Gate of Thunder, toujours de chez Hudson Soft, et Wings of Thunder, qui a une ambiance rock lourd, allons-nous dire, qui est tout simplement sublime comme jeu. Je le testerai peut-être une autre fois. Car avant, il faudra que je parle, avant de parler de ces titres mythiques, il faudra que je vous parle de R-Type Complete CD, qui était sorti voilà, lui aussi en tant que figure de proue du Super CD-ROM, puisque les possesseurs de PC Engine avaient vécu un drame à l'époque, hein, de la sortie de la PC Engine, puisque R-Type sur U-Card, donc au format carte, était scindé en deux. Et ouais. Ils avaient été gourmands, je sais pas s'ils voulaient vendre deux fois plus de jeux, mais ils avaient scindé le jeu en deux. Et tout un système de mots de passe pour continuer le jeu avec son score. Enfin, c'était absolument affreux comme procédé. C'était, je sais pas si c'était les capacités de la carte qui faisaient en sorte que, voilà, ils étaient limités, mais bon, c'était plutôt quand même un plan un petit peu marketing à mon avis pour amortir la licence d'IRM. Donc IRM, l'éditeur détenteur des droits d'AirType. Et donc bah, pour promouvoir la PC Engine, ils avaient sorti la version AirType complète CD avec des musiques à tomber par terre. Voilà, donc toujours les petits écrans intermédiaires, hein, qui vont bien, qui sont toujours sympathiques. Et bah écoutez, je pense que nous allons arrêter ce speed test, hein, puisque je pense qu'on a fait le tour de Star Parodia.
Je ne suis pas rentré non plus dans tous les détails des bonus, bonus stage, sound test et autres. Je vous laisse les découvrir si vous ne connaissez pas ce jeu et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Franchement, voilà, je vous le conseille sincèrement parce que c'est un titre phare de la PC Engine. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui mettent en scène leur console. Donc, ouais, c'est quand même suffisamment rare pour le signaler. Il y a un autre jeu, hein, je ne vais pas vous dire lequel, mais on trouve la PC Engine, le CD-ROM et autres, qui est aussi sur Super CD-ROM. Hein, donc, je vais le tester prochainement sur Gunnet TV parce que, ma foi, il est sympathique. Je vous donne juste un indice. C'est un titre qui était aussi sorti sur Amiga. Et ouais, parce que, comme chacun sait, l'Amiga vaincra. Et donc à l'époque, eh ben voilà, la PC Engine aimait bien aussi l'Amiga, hein, puisqu'elle adaptait beaucoup de jeux venus de l'Amiga. It Came From The Desert, Shadow of the Beast, et le fameux jeu dont je vous parle, et dont on reviendra prochainement. Donc R-Type Complete CD sera un prochain titre PC Engine testé. Et derrière, eh ben voilà, il y aura ce mystérieux titre. En tout état de cause, écoutez, on va en rester là, hein, face à cette Otari ou à ce phoque, je ne sais pas, qui me fait des misères, mais que je vais frapper avec mes satellites Paddle PC Engine. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation et à très bientôt sur Gunnet TV. A bientôt les amis.